Qui d'autre? Il y a Syra qui est là, donc Johnson. Encore? Ah! Ah! Mais alors, monsieur Francis, ça va pas du tout ça! Oh là 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 là, dans quel merdier vous êtes mis? Mon dieu! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Oh là là, vous brûlez encore! Oh là! Ça va aller! Y'a mon lieutenant avec moi! Y'a mon lieutenant! Ah, votre lieutenant! Ah, c'est. Ah, j'ai pas reçu l'appel de votre lieutenant! Hein. Ah, il est là, il est là! Il est là, je le vois! Juste à mes pieds là! Allez, je pousse ça! Ah, ça y est! Ah, il est là. Ça y est, vous inquiétez pas, monsieur le lieutenant. Putain, mais quelle connerie de poteau électrique aussi là. Oh là là, il faut faire attention, des électeurs. Hein. Ah là, messieurs. Voilà. Ah, vous êtes là. Attendez, hein, restez dans le coin. Francis, je voulais parler. Tout à l'heure, je rentrais à l'hôpital et j'ai vu des gars qui traînent autour de ma main. Ah bon? Qui. Bougez pas, hein. Ah bah il faut hein, on n'attend pas trop le choix en tant qu'ambulancier, faut être sur place assez rapidement hein, quand même. Oh vous avez une petite fracture de l'index, il va falloir que je vous mette un peu de pommade, je vais chercher ça de mon cabinet. Ouais c'est noté, c'était il y a longtemps? Ouais c'était il y a peut-être 45 minutes. Allez d'accord. On va surveiller ça, c'est noté. Ouais, parce que là, c'est pour nous. Parce que quand... C'est pour nous qu'on fait les visites médicales. Voilà. Si on se fait agresser, voilà. S'il y a. Tenez. Ouais, c'est bien ce doigt-là, ouais, effectivement. Attendez. Je vais vous faire appliquer un petit bandage avec de la crème. Ah. Ça va, lieutenant? Bah, il s'est froissé l'index, alors du coup je mets une petite pommade dessus. D'ailleurs mes collègues ils vous ont pas blessé, moi aussi là. Ouais bah oui mes collègues ils font pas grand chose là. Ah, c'est parce qu'il veut parler de présence suspecte à la morgue, je prenais sa déposition. Ah d'accord. L'hélicoptère il crée un beau bordel là. Ah ouais là. Mais j'ai appelé les dépanneurs. Ah nickel. Ah vous avez une. Vous avez une blessure par balle dans le qu'il va prendre le bulldozer et il va pouvoir. Ah bon? Ah oui, c'est quand même. Là, il va falloir passer à l'hôpital. C'est pas possible, j'ai pas des balles. Ah bon? Je pense que. L'hôpital là? Ah bah là, il n'y a pas le choix là, monsieur Francis. Ah, bah mais go alors. Hein. Bah oui. Putain! Je me suis jamais craché. Et là, le jour où je suis avec vous, le talent, bam! Putain de merde! Bah, là, c'était la boulette. Ça va être la pression, quoi. Mais oui, mais j'ai la pression aussi quand je suis avec vous, là. C'est normal, ça. Bah, pourquoi pas nous refaire 5 fois le parcours en bizarre, ça vous entraînera. Ah non! Ah, non, ah bah attendez, on va le soigner quand même avec sa blessure par balle, on va retirer tout ça, attendez. Tiens, bah, Casu... Bah, à l'hôpital ou pas? Non, parce que moi, je viens, hein. Bah oui, Casu, aide-le à marcher, on va le porter des deux côtés, là. Ah bah, c'est vrai, je marche normalement, hein. Je sais pas où. Par contre, Attendez, par contre, Rob, t'as pris le mauvais véhicule, hein. Ah oui, mais c'est pas grave. Mais Francis, revenez, on va aller à l'hôpital. Ouais, c'est normal. Je vous suis. Ah bah montez derrière dans le véhicule. Ouais. Attends, je vais t'aider. Allez, bon courage. Toi, B. Bon, du coup, je vais en ville, moi. Hop, allez. Tout va bien à l'arrière, monsieur Francis? Ah ouais, tout va bien. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi j'ai les balles, hein. Vous êtes sûr que j'ai les balles? Ah oui. Il va falloir la retirer, justement. Opération délicate. Droit, là, je sais même pas comment vous arrivez encore à respirer hein, parce que. Ah bon? À quel non? Ah oui, mais. Oui, vous dans le thorax, je l'ai? Eh ben, dans le sphincter. Qu'est-ce que c'est le sphincter? Ah, c'est le scrotum, ça c'est le cul. Là, non, c'est dans le dos, c'est dans le bas du dos. Donc il va falloir s'allonger. Ah, dans le bas du dos? Ouais. Si vous voulez, Ophélie, vous pouvez assister à l'opération vu que vous êtes sa femme quand même. Ouais. Bah oui, quand même. Vous allez pouvoir m'assister. Fais attention qu'il me glisse rien à mon anus. Ouais, en fait, Griffith, tu m'as dit de te dire qu'il avait un bel anus. Ah bon? Ah. C'est ça qui m'intéressait. Mais
C'est ce que je lui ai dit, que tu allais, ça allait pas t'intéresser plus que ça, mais bon, il a quand même tenu à ce que je te le dise. Ouais. On va descendre. Il a pris le coloscopie dans le cul, c'est ça? Ah oui, il était, il avait l'âge. Hein. D'ailleurs, quoi, il était même en retard, le pauvre. Vous avez quel âge, Francis? 18 ans. Ah, ouais. Allez, dis ton vrai âge. Ah ouais, c'est 19. 19? Non, il a 28. 27. Ah, 28, ah, bah, ça va. Eh ben, dans 2 ans, il va falloir passer faire une colioscopie. Ouais, hein, pour je le tâche. Mettez-vous sur cette table, oui. Francis. Sur la table? Ouais, ouais, voilà. vous allongez. C'est une table de mortuaire, sur, ça quand même. Hein. Sur le ventre. Ouais, bah écoutez, on attend. C'est là où on attache les séniles. On attend les budgets hein, pour ça. Attendez, je vous apporte le latex. Voilà. Nickel, je rapproche. Allez, chérie, ça va aller. J'ai de mal logé dans le bas du dos, je tente de la faire lever. Voilà. Bon, Là, je pourrai plus communiquer hein, et on va tout enlever, tu pourras plus parler à tes collègues. Ah bon, coup... vous m'enlevez ma radio là? Bah, ma foi, on t'opérera pas là, non? Bah, là c'est anesthésie générale. Encore déshabillé, donc ça va. Monsieur l'agent. Je prends une petite pause et je reviens d'ici 25 minutes. Ça marche. Allez-y. Du coup, Ophélie, est-ce que tu peux aller chercher dans le frigo les aiguilles pour l'anesthésie? Tout à fait, oui. Il est où le frigo déjà? Il est juste là. Il est juste là. Je prends deuxième tiroir du frigo. Tu verras en bas à droite, t'as une aiguille avec marqué. Avec un petit flacon transparent, normalement. Voilà. Attends, je dégage ces petits... Ça va, ça tout va bien, monsieur Francis, vous êtes sûr hein? Parce qu'il va falloir peut-être faire même une transfusion de sang après. Ah bon? Mais oui, oui. Mais je vous jure que tout va bien de mon côté. Mais ça tout doit être... C'est pour ça que je... Quand vous m'avez dit... Ah, c'est peut-être l'adrénaline, c'est le... Ouais, c'est l'adrénaline, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah attendez, ah bon, alors, tendez votre bras de mon côté, monsieur Francis. Ah, putain, c'est siège. On peut faire ça? Il est bloqué. Attendez, je me gratte pas les couilles, hein. c'est pas ce que vous voyez. Ah, je vois rien. Je n'y parviens pas. Ah, c'est de ce côté-là. Refaites la position que vous venez. Ah là, on va trouver une veine de ce côté-là. Ah là, nickel. Ah, c'est bon là? C'est parfait. Alors, vous allez compter jusqu'à 10. Là, je vous fais une petite perfusion justement. Ouais. Vous allez compter jusqu'à 10 et normalement au bout de 3 vous allez vous endormir. Mais des fois ça met un peu de temps donc vous allez compter. Ouais. Vous allez compter jusqu'à 10. Je vous laisse compter. Ah bah 10 ans. Ah bah c'est parti déjà, ok. Parfait. Il a le sommeil léger, il dort très très bien. Bon du coup on va couper son pantalon là puisque c'est dans le dos. On va retirer sa ceinture. Ouais. On va enlever sa chemise aussi. Et on va faire une petite incision à cet endroit-là, du dos. Je sais pas si tu vois. Oh là, oh là, je crois qu'il a une spasme. Ah ouais. Non, ça va aller. Je lui ai mis une bonne dose quand même de cheval. Ah bah, oh, dis donc. Du coup, voilà, on va. Vous on avez va mal dosé. Attends, je vais chercher le ciseau. Voilà. Tac, nickel. Nickel. Du coup, tu vas prendre la petite pince qui est derrière toi là, dans le tiroir là-bas. Tu vas bien le nettoyer avec de l'alcool. Voilà, nickel. On va le faire à deux hein, pour retirer la balle parce que elle me semble quand même dans un endroit assez compliqué d'accès. Il va falloir faire attention. Hein. Du coup, je vais prendre la pince, voilà. Ah, par contre, on va chercher des poches de sang aussi. J'ai pas prévu. Ah, ça marche, merci. Ah, on va faire. Oh bah, faut pas acheter comme ça l'étagère. Bon, du coup, on fait une petite transfusion de sang en même temps. Parce que j'ai peur qu'il perde du sang. D'ailleurs, heureusement que j'ai dû O négatif. On a dû O négatif. Il va falloir qu'on demande des dons du sang hein, parce qu'on a plus beaucoup de poches de sang hein, disponibles. Ouais. Du coup, tu vas insérer le scalpel à ta droite là.
Et je vais récupérer la balle avec avec ouais. Avec la pince là. Bah, attends, j'y vais. Ouais, tu me dis quand c'est bon. Tremble pas, hein, tremble pas parce que ça peut partir très mal. Hein. Ah. Ah, c'est bon. Ne touche pas le nerf, hein, surtout. Ah, ça y est, je la vois la balle. Ah, c'est bon, c'est bon. Nickel. Attention, opération délicate. Faut pas trembler, on retient notre respiration. Ah, nickel. Nickel, j'ai eu la balle. On va recoudre tout ça. Je te laisse recoudre, je vais aller nettoyer les mains et Impec, ouais. Ouais, voilà, nickel. Parfait. C'est une opération avec succès. On y va. Parfait, c'est du très bon boulot, ça. Voilà. Nickel. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? On va mettre le pansement par-dessus, non? Ouais, ouais, et puis du coup, on va lui remettre ses fringues aussi. Petit pansement, et ouais. du coup, il va être arrêté pendant une petite journée, hein, parce que là, il va falloir qu'il se repose. Hein, bah, ouais. Ah, ça, c'est les nerfs qui se relâchent. Je suis gêné pour lui, le pauvre. C'est vrai que moi aussi. Oh putain, surtout, je sais pas ce qu'il a bouffé, ce con. Oh la vache. Oh là là. Oh. Il va falloir. Ah, il a abusé sur le McDo, je crois. je vais ouvrir la porte, attendez, je vais mettre un petit tabouret pour ouvrir la porte. Ah oui, aéré, s'il vous plaît, parce que. Ah merde. Non. Ah, attends, je vais chercher un autre tabouret. Le pansement, il est mis, c'est bon. Ah bah nickel. Du coup... Lavez les mains. Du coup... Ah putain, c'est infernal. C'est terrible. Il faut faire courant d'air, là, putain. Bon. Ah non, mais je suis terriblement gêné. J'espère qu'il pète pas comme ça au lit, parce que sinon, vous êtes pas bien, hein. Bah écoutez... Je vais lui faire une petite injection, il va pouvoir se réveiller... Allez-y, moi je garde la porte ouverte parce que. Tac, il devrait pas tarder à se réveiller là, c'est. Oh. Mais en tout cas, faut qu'il arrête le McDo, hein. Ouais, je crois, ouais. C'est bon, Francis. Ah, je vois qu'il cligne un peu des yeux là, Francis, tout va bien? Ah. Oh, ça va mieux. Oh là là. Oh là. Tout va bien, Oula, ah, j'ai mal au... Tout va bien, hein, l'opération s'est déroulée avec succès. Doucement. Ah vraiment avec succès, hein. Attends, ouf, attends. Allez. Ouais, ça picote un peu, c'est tout. Ouais, ouais, c'est normal. Regardez la balle que j'ai sortie, c'était du 9 mm. Je sais pas qui vous a tiré dessus, mais... Oh, mais ça c'est dans l'hélico, quand ça s'est craché, ça a dû cliquer sur une arme, je sais pas moi. Ah bah, c'est le lieutenant, il a pas mis la sécurité, c'est pas normal. Ah bah effectivement. Par contre, petit conseil, évitez de manger McDo, hein, la prochaine fois. Ah bon? Ouais mais... Eh oui. Tu as pété. Ouais. Ah bon? Oui. Ah merde. Ah c'est chiant ça. Oui, c'est le cas de le dire, oui, tu nous as emboucané. Ah merde. Ah oui, t'es obligé d'ouvrir les portes. On a pas le temps de bouffer, on bouffe la première chose qu'on trouve. Hein. Surtout qu'il n'y a pas d'aération ici, c'était assez difficile de travailler. C'est... Ouais. Ça a été dur. Ah oui, mais excusez-moi, j'ai pas contrôlé. J'étais dans le sommeil pour toi. Ah bah on sait, mais c'est un peu la honte quoi. Oui, mais oh, c'est pas le premier patient qui pète quand il est endormi, non? Ah ouais. C'est pas faux. Après, c'est bien, au moins ouais, vos muscles se sont relâchés, c'est ce qu'il fallait hein, pendant le premier. Ah bah oui, j'étais détenu. Oui, oui. Ah bah oui, je dormais bien. On l'a sorti, effectivement. Oui, bah ça arrive. Ouais. Tant pis, hein. Tant pis, c'est les choses qui arrivent. Si tu pètes, hein. Tu veux dire pas ça? Oui, bah oui, mais oui. Ah, moi je veux pas savoir vos histoires de couple, hein. Ah. Non, mais je dis ça quand même, ça. Mais il se sent coupable, hein, avec son pé qui pue. Voilà. Quoi, vous avez de la samedi, il y a des corps qui prennent feu ou... Ah, ouais, mais c'est. Non, c'est pour nous. C'est la qualité, c'est. Enfin, attention, faut nettoyer des fois, tu vois. Par exemple, là, il y a un peu de sang un peu partout. On va devoir nettoyer, et ce qui est bien c'est qu'on prend le geyser et hop, un coup de karcher, c'est nettoyé. Ah bah oui, c'est beaucoup plus rapide. Bah oui. Ah ouais, c'est clair.
Ah ouais, c'est sûr. Je connaissais pas ça de normal. Bah du coup, Francis, on va vous faire un arrêt de travail, là, on va monter dans nos bureaux en haut, là, et puis on, ah bon on va... Ouais, ouais, c'est une journée... Écoutez, je peux pas arrêter de travailler comme ça, moi. Ah bah après, vous vous débrouillez avec votre employeur, mais... Ah, bordel. Mais nous, en tout cas, on fait notre métier, quoi. Oh putain, plus j'ai un appel hyper important, bon bref. Ok, on va vous donner ça, venez, on va vous faire un arrêt médical, et puis vous faites ce que vous voulez après, hein, vous êtes pas obligé de l'utiliser. Ah, mais j'en ai pour ce soir, et tant pis, hein. Il faut faire attention, hein, faut prendre du repos quand même. En plus, surtout que nos ascenseurs ils sont cassés, alors du coup ça va pas être facile pour vous. Et ça tire les chairs. Ah, mais c'est le pansement. Ouais, tu as des points plus le pansement pour protéger. J'ai récupéré ma radio. Ah, t'as tout rendu. J'ai pas vu. Ouais, ça va. Ah, les appels de soutien, c'est urgent. Ah. Ah, parce que je viens de me réveiller de l'hôpital là, je vois ça, ça m'inquiète. Bah c'est bon, ils m'ont retiré la balle, tout le monde est foutu. Faut mettre la sécurité là, t'as là, sur les armes. Allez, on voit ça de tout ça. Ah, du coup, Ophélie, tu regarderas de temps en temps quand même que ça... Que ça tu... pas, ouais. Ouais, il va falloir regarder le soir. Bah, du coup, comme c'est plutôt facile, vous avez pas besoin de repasser, Francis, hein, puisque vous avez. Je recoupe le temps que je finis avec les menaces. Privilège de. Ouais. Bah. Alors, ouais, monsieur bah. Andy Smith. Il a pas mis à jour la plaque, Rob. Ah non. Non, non, pas encore. Je suis seulement chef temporaire. Hein. Voilà, putain, c'est dur hein, de taper avec un doigt là. L'informatique et moi. Ils sont pour se casser. Bah, en fait, comme j'ai la main qui est engourdie de l'autre côté là, avec l'opération, je préfère pas l'utiliser quoi. Ah, ah d'accord. Voilà. Et tu nous as un peu insuqué aussi, on est dans les vapes, tu vois. Ah bon? C'est vrai que. Voilà, attendez. Ah, c'est assez puissant. Hein. J'imprime ça. Tac. 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 Voilà, tenez. Oula, je sais pas. Tenez, monsieur Francis, hein. Prenez ça, ce document. Vous êtes arrêté pour une journée, après vous faites ce que vous voulez. Moi je vais arrêter. C'est mieux pour toi, Kiel. C'est vous qui voyez. Écoutez, moi je vais vous laisser repartir partir à vos occupations et puis que vous êtes libre quoi. Ah. Francis. Ah. Mais du coup. Je crois qu'il nous a quitté. Francis. Ah déjà. Ah. Mmh. Attendez, je vais me reposer sur le canapé après après cette petite heure de. D'opération, je vais revenir oui. Un peu plus tard. Ça marche. Bonne sieste. Hein. Ah, merci, Ophélie. À plus tard. Bon, dégage, je vais faire une petite pause. Je reviens après.